Pour réduire la dépendance de l'élevage laitier à la consommation de tourteaux de soja importés, le groupe de travail Interreg Proteco propose 5 solutions, la cinquième étant de se convertir à l'agriculture biologique en conservant un niveau de production élevé. Prenons une ferme type de 100 vaches laitières produisant 8300 litres de lait par an sur 100 hectares. Recourir à la conversion en agriculture biologique permet à cette ferme de réduire de 80 à 29 tonnes seulement le tourteau de soja importé habituellement par an. Concrètement, c'est 610 kg de soja en moins par vache laitière et par lactation. Enfin, ce qu'il faut retenir de cette solution, c'est le remplacement partiel du tourteau de soja, ici moins 64%, soit une économie de 51 tonnes par an. A noter aussi que l'assolement de l'exploitation nécessite d'être entièrement modifié. Notez enfin une augmentation de la marge nette de 9000 à 9500 euros par an. Cette solution est présentée dans une fiche disponible sur le site du projet Interreg Proteco et téléchargeable à l'adresse ci-dessous.